Putain, je croyais que t'étais tombé, j'ai eu peur. Oh la vache, la chatte. Et ben, est-ce qu'on se retrouverait pas un mercredi à l'entraînement? C'est hyper rare. Hein. Je suis pas un pilote du mercredi. Lui, c'est un pilote du mercredi. Lui, c'est un mec qui rentre dans les 10 au championnat de France national et mixin. Je peux te dire, c'est un mec du mercredi. On a fait un nouveau petit achat. La GoPro Hero 11. Je ferai une vidéo où j'explique tous les nouveaux réglages, les nouveautés et mes réglages aussi perso dans une vidéo test qui sera dédiée vraiment que à la GoPro. Tout sera filmé avec cette GoPro. Voilà. Donc si ça fait des belles images, c'est que c'est la 11. Ça, elles sont vraiment très propres. Attends, le mec vient quand même s'entraîner sans essence. Du coup, moi, en tant que bon copain, bah, je lui prête mon essence, tu vois. Il me dit non, mais ça va aller. Un seul bidon, ça devrait aller. J'ai le plein dans la moto, mec. Il reste rien. Mais dis-moi ce qu'il y a qui va pas. Ce qu'il y a qui va pas? Ouais, dis-moi. Donc déjà, il reste 3 litres. Il reste 3 litres, gros. Non, ça va être chaud. Déjà, tu m'as dit quoi? Ouais, mec, vas-y, on s'arrête pas à l'essence, c'est la galère. Oui, mais attends, je t'ai attendu une heure, c'est ça qu'il faut que tu dises, c'est que je t'ai attendu une heure déjà avant d'aller rouler. Ça n'a rien à voir avec l'essence. Mettez en commentaire si vous me soutenez moi ou si vous soutenez Melvin Moziman, mais je vous jure que là, je l'ai attendu une heure pour aller rouler. J'étais chez lui comme un connard, j'étais assis comme ça. Je fais bon, bah je l'attends. Voilà. Il y en a plein qui t'aiment, hein. Mais juste là, c'est normal s'ils me soutiennent, parce que c'est toi qui a chié dans la colle, gros. Tu là, j'étais en train de l'attendre pendant une heure, ensuite il me dit j'ai pas d'essence, j'ai pas de quoi payer le péage. Oh, putain, je suis une vache à lait. Trêve de plaisanterie, trêve de conneries. Allô? L'orthophoniste. Alors, est-ce que j'ai bien fait mon sac au moins? Non, est-ce que Charline t'a bien fait? Non, tu rigoles, c'est moi qui fais. Mais mec, tu me fais vraiment passer pour une merde. Non, toi, tu fais pareil. Tu me fais passer pour une tu merde. Fais exactement pareil. Râle le bâtard. C'est vrai, vraiment, je l'aime pas ce mec en fait. On va rouler ensemble? Non, c'est moi. C'est moi, gros. J'ai essayé de faire un truc, t'avais vu ça? Ouais, une déco perso sur mes orthèses. Avec des stickers et tout que j'ai découpé. Ouais, c'est pas si mal, mais c'est pas si fou. C'est vraiment moi. Si vous avez des idées à la con, bah donnez-les moi et j'en ferai d'autres parce que là. Bonjour. Bonjour, monsieur. Ah ouais, il est comme ça lui, d'accord. On est à Guiville, juste en dessous de Paris, pour ceux qui connaissent pas. Et c'est souvent ouvert le mercredi, c'est souvent ouvert le week-end, souvent refait aussi. Et là il fait beau, on a une belle texture, des ornières, ça a roulé ce week-end, il a pas été refait, donc il y a des ornières. C'est génial, voilà. Franchement, pour une fois que je roule le mercredi, c'est pas un mytho, c'est pas pour dire ah, je roule jamais, machin. C'est juste que le mercredi, j'ai un peu la flemme. Je préfère rouler le week-end quand il y a tous tes potes qui sont là et qui sont dispo pour rouler. Comme bah j'avais mon pote Mel qui pouvait rouler, on s'est dit vas-y viens on va rouler mec. Du coup on va rouler, on va s'entraîner pour l'année prochaine. Wow. Ouais, c'est un échauffement ça, t'inquiète. Je croyais que t'étais tombé, j'ai eu peur. Oh la vache, la chatte. Vas-y, sans toi, je crois. Ouh. Ma mal 4,5 quand tu donnes un coup de gaz, c'est pas 2,50. Hein. On est en 5,3K, 30 FPS. Et le nouvel angle, le grand angle, Hyper View, ils appellent ça, c'est tout nouveau sur la GoPro Hero 11. Alors, tu retrouves? Je vais rentrer actif. Vas-y. Dommage, je voulais faire fake taxi, mais bon.
avant. J'avais pas mon micro, du coup je pouvais pas trop parler quand je roulais, mais ça se sent que les manches de championnat de France sont très loin, le cardio est très loin. Vous l'entendez comme je respire quand même? Ça va, je suis content, j'ai réussi un peu à m'y faire là, au 4,5, et ça me permet, enfin en fait ça me force d'avoir un pilotage beaucoup plus coulé. Je pense que ça fait du bien, faut être plus précis vu que c'est tellement puissant que tu peux pas mettre du gaz comme tu veux, sinon ça t'arrache la gueule, sinon t'es mort. Donc voilà, ah ça fait plaisir, les entraînements comme ça où tu roules et qu'il fait beau, c'est génial. Bon, j'espère que cette petite GoPro, cette nouvelle GoPro a fait de la bonne qualité avec ce nouvel angle de vue là, un peu plus grand, normalement on voit plus de choses. Mais peut-être que ça va aplatir. Peut-être que ça va pas mal aplatir les sauts. En tout cas, je testerai tout ça dans une grosse vidéo où je vous donnerai tous mes réglages, où je vous expliquerai toutes les nouveautés de cette GoPro. Est-ce qu'il faut absolument la dernière GoPro ou est-ce qu'on peut se contenter des GoPros d'avant? Tout ça, ça va arriver dans quelques semaines, les gars. Le temps que je fasse les tests et que je fasse la vidéo. Et ouais les gars, c'est ça quand on est un bon copain. Ah là là là, je suis vraiment le bon pote moi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça fait super plaisir. Lâchez un petit commentaire, un petit like. Et moi je vous laisse sur le passage de Melvin avec le 450 dans les vagues. Allez, c'est nous, allez, kiff. Get loose with a gun, get loose. Okay, first off, let's get this thing started.